des torrents d'eau et de boue qui dévalent la route de Comines-Caron, menaçant d'emporter complètement la chaussée. À certains endroits, les dégâts sont déjà considérables avec ces trous béants. En une demi-heure à peine, de fortes précipitations se sont abattues sur Sainte-Suzanne. Conséquence, les radiers sont submergés, impossible d'accéder à Comines-Caron. En bas de la 4 voies, cette maman est inquiète. J'attends mes enfants, ils sont bloqués à l'école, donc je les attends. Qui c'est qui les descend ? Le bus. Et le bus peut passer ? Il est bloqué. Les automobilistes, eux aussi bloqués, sont obligés de faire demi-tour. Là, la route est inondée. Et juste en haut, à côté de l'église, il a eu un effondrement sur la route dû au mauvais temps, quoi. Hein. Donc voilà. Dangereux pour les... Ben, les véhicules, là, les véhicules en ce moment, ils passent pas. Il faut avoir un véhicule de type 4x4, quoi, hein, pour passer, quoi. Hein. Là, j'ai fait demi-tour juste là. La rivière, elle est trop haute. Oh, pas trop risqué d'y aller, voilà. Et... Dangereux ? Ouais, je pense, faut faire attention, ouais. Mais puis même de l'autre côté, là, c'est pas faisable. Ouais. Ne pas prendre de risque en franchissant un radier submergé. Gendarmes et pompiers étaient mobilisés en fin d'après-midi dans les Hauts-de-Sainte-Suzanne pour faire respecter cette interdiction.